Good morgen, allez, Iden et Tusra, aujourd'hui le Lonishmat, François Fajib Ben Khana, Janine Ruth, Batfort, Mazal Fritna, Claude Chambo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Maserhet Pea, Perekhe Mishnachet, Ameamer le Kovaot, ou le Khumsaot, la Harara, Vela Omarim, En lo Shichecha, Mimenu Vela Goren, Yesh lo Shichecha. Améamer la gadi, shelesh lo shichecha, mimenu vela goren, en lo shichecha. Ze aklal, kol améamer le makom shu gmar melacha, yesh lo shichecha, mimenu vela goren, en lo shichecha. Le makom shu en o gmar melacha, en lo shichecha, mimenu vela goren, yesh lo shichecha. On a une mishnah relativement longue apparemment, mais le principe il est, on ne peut plus simple. On va parler de la mitzvah de laisser la shichecha, donc, comme on a déjà évoqué plusieurs fois, lorsque je ramasse mon blé, en vue de l'engranger, en expliquant ensuite plus de détails, si jamais j'ai laissé sur place une ou deux gerbes de blé, je dois les laisser, je n'ai plus le droit de les prendre, c'est venu de la shichecha, d'accord? Ça, c'est le principe, c'est quoi de leur shichecha, c'est l'oubli. T'as tout ramassé, t'en as laissé un petit peu, un ou deux, tu les laisses. Trois, tu peux revenir les chercher. La Mishnah, maintenant, elle va nous apprendre une règle très importante, à savoir, vous savez que lorsque le blé requiert beaucoup de travail jusqu'à qu'on puisse le consommer, après qu'on ait labouré, qu'on ait planté, et qu'on a arrosé, et qu'on a moissonné, après, on le met en gerbe, on va ensuite l'amasser, pour ensuite le battre. On bat le blé pour séparer le grain de la peau, de l'écorce, je ne sais pas comment on se dit, le son quoi. Et ensuite, une fois qu'on a fait, ça s'appelle dash. Dash, c'est une melachat de Shabbat. Et le 11 melachot de Shabbat, c'est sur ça. Et donc dash, et puis après on le vanne, on jette en l'air, de manière à ce que le vent va pousser les clipotes. Et le grain va retomber sur place, après on prend le grain et on va l'engranger. D'accord? C'est ce qui nous intéresse pour le moment, comme Melacha. Et on a une règle très importante. On est imposé de Shichecha uniquement lorsqu'on prend le blé pour l'amener là où on va le battre. Voilà toute la Mishnah. Là où j'ai ramassé le blé. J'ai maintenant des tas de blé, que maintenant je vais ramasser mon blé pour aller le battre. À ce moment-là, il y a interdit de la shichecha. À exclure toutes sortes de situations. Si j'ai déjà battu, bien sûr, mais mieux que ça même. Si j'ai rassemblé du blé pour ensuite le rassembler une deuxième fois, et bien pour la première fois que tu vas le ramasser, il n'y aura pas encore de shichecha. La shichecha, c'est uniquement lorsque tu vas le ramasser pour aller le battre. Maintenant, où aller le battre? Ça, on a fini la Mishnah. Ça, c'est toute la Mishnah, elle va parler que de ça. Avec quelques petites nuances par-ci par-là, après on expliquera plus dans les détails. Mais, donc, on prend là où tu ramasses le blé pour aller le battre, cette dernière opération-là, qui est juste avant le Gmar Melacha, voilà, c'est le mot qu'on va avoir quand on va avoir le Zéaklal, ce qui va être écrit, je vous le lis tout de suite, même Zéaklal, Kol Améamer, les Makom Sheu Gmar Melacha. Tout celui qui va ramasser le blé, le Méamer, c'est aussi le Melacha Shabbat, de ramasser tout le blé pour l'amener là où ça va être le Gmar Melacha, là où tu vas le battre. Alors là, il y aura l'interdit de Shichecha, et pas avant. Et pas après non plus. Et de là, aussi, deux précisions. Sur c'est quoi le gadish et c'est quoi le gorem. C'est important de comprendre comment ça se passe. Gadish, c'est un endroit où on va entasser tout le blé à l'état brut, les gerbes de blé. Et puis après, le gorem, c'est là où on va stocker les grains, concrètement. Une fois qu'on a battu le blé, qu'on a récupéré maintenant les grains de blé, là où on le stocke, c'est le gorem. Le gorem, c'est la grange. Regardez le mot goren, gran, grange. On engrange, là on engrange, le blé est déjà prêt à être ensuite moulu. D'accord? Donc on a le gadish, c'est là où on entasse le blé à l'état brut, en épi, les gerbes. Et ensuite on a le goren, là où on va stocker la douva. Eh bien il faut savoir que l'usage de l'époque, des fois on battait le blé à l'endroit du gadish, et des fois on battait le blé à l'endroit du goren. Du coup, à quel endroit, à quelle opération va imposer de laisser la shichecha? Est-ce que c'est lorsque tu prends ton blé pour l'amener au gadish ou lorsque tu prends ton blé pour l'amener au goren?
pour aller entasser les gerbes de blé ou pour aller l'entrer dans la grange, eh bien, tout dépend de là où tu as l'usage de battre ton blé. Il y en a qui battent le blé au gadish, il y en a qui battent le blé au goré. Au gadish, là où on l'entasse, une fois que tu l'as tout entassé, tu le bats sur place et tu le récupères. Seulement après, tu ramasses les grains tout près pour les amener ensuite dans ta grange. Dans ce cas-là, l'opération qui va précéder le fait de l'amener au gadish, c'est là, c'est ce ramassage-là qui va être imposable de shichera. Et si toutefois tu bats ton blé au goren, avant de le faire entrer dans la grange, tu amènes d'abord ton blé à l'état brut, et seulement là-bas tu vas le battre pour ensuite le faire rentrer. Comme ça, entre parenthèses, rapporté dans la Megillah de Ruth. Il y avait Boaz là-bas, on va pas ranger dedans. Mais il était, lui, battait le blé près du goren. Alors si c'est le cas, eh ben, tout ce que tu vas ramasser le blé en vue de l'amener au gadish, puis ensuite de l'amener au gadish au goren, en vue de l'amener au gadish, c'est pas imposable de shichera. Du gadish jusqu'au goren, là c'est imposable de shichra parce que là tu vas l'amener pour aller le battre. D'accord, c'est simple, je vous dis. Maintenant, pour mieux rentrer dans les détails, alors là, on a une Mishnah un peu plus longue et qui a deux interprétations avec plein de termes. C'est ça où ça va devenir un petit peu compliqué. Mais l'idée, c'est le même principe. D'ailleurs, je vais expliquer d'abord la Mishnah selon la deuxième explication du Barthénois qui, si je ne me trompe pas, c'est le Rambam. C'est beaucoup plus facile à expliquer, en fait. Parce que tout converge dans exactement le même cas, avec des petites nuances. L'usage, il était, donc, on a dit, lorsqu'on fauchait le blé, l'usage, il était de ramasser d'abord, de prendre plusieurs épis en même temps, on le fauchait en même temps, et puis ensuite, on l'attachait ensemble, et on faisait comme ça des gerbes, après on ramassait toutes les gerbes, on les amenait. Il y avait techniquement, c'était quand même plus pratique de faire d'abord, une fois que j'ai fauché ici, d'abord j'ai travaillé sur une certaine superficie de quelques mètres carrés. Après, je vais faire un premier tas, pour ensuite, je vais faire travailler sur quelques 10 mètres carrés encore, je vais faire un deuxième tas, et après 10 mètres carrés, je vais faire un deuxième tas, et puis après, je ramasse tous les petits tas pour en faire un tas un peu plus grand, pour ensuite l'amener. D'accord? Alors, là où je vais ramasser les petits tas avant de faire le grand tas, c'est selon l'intervention qu'on va aborder tout de suite, c'est ça, notre Michel vient me dire, mais écoute, pour le moment, du premier tas au deuxième tas, du petit tas jusqu'au grand tas, lorsque tu vas ramasser, si tu laisses un ou deux, c'est pas encore la shichecha. Parce que tu ramasses pas ton blé pour l'amener à là où tu vas le battre, mais plutôt pour l'amener là où tu vas le ramasser, pour ensuite le ramasser pour aller le battre. Donc dans ce cas-là, tu ne seras pas imposé. Maintenant, concrètement, alors, il y en avait qui laissaient des tas en petit monticule, ça s'appelle un kova, comme un petit chapeau. Il y en a qui, au contraire, ils avaient plutôt un endroit qui était creusé. Ça va s'appeler les kumsaot, une kumsa. Je ne sais pas, Kamous, il m'a dit quelque chose de enfoui. Il y en a plutôt qui vont le mettre sous forme de rond, ça s'appelle une forme de harara, ou la omarim, ou bien des petits omarim, des petits regroupements pour faire ensuite un grand regroupement plus grand. Alors, la Mishnah me dit dans tous ces cas-là, amé amer, les kovaot. C'est celui qui va rassembler son blé pour ensuite, pour en faire des kovaot. Des petits chapeaux, donc des petits tas sur terre, sur le sol. Vous voyez les kumsaot pour en faire des petits tas dans des endroits creusés. Vous voyez la harara pour en faire des endroits plus réunis en forme de rond, vela au marim, ou bien pour en faire tout simplement des petits tas en définition, pour ensuite, en vue de les prendre, pour les amener faire un deuxième tas, et bien dans ce cas-là, pour la première fois en tout cas, en shichra, il n'y a pas de shichra. Par contre, une fois que tu les as réunis tous, pour en faire, pour arriver enfin à ton grand Omer, ton grand tas, mimenu vela goren, pour l'amener au goren. Alors là, dans ce cas-là, il y aura la shirra, parce que lorsque tu l'amènes au goren, le goren c'est pour l'engranger, c'est pour le battre là-bas avant de le faire entrer, donc il y aura de la shirra. Par contre, ok, je m'arrête là pour le moment, parce qu'on a la deuxième interprétation de la Mishnah, qui est un petit peu plus différente, parce que d'un coup le chapeau ça va devenir un chapeau, et la kumsa, c'est comme la kumta en hébreu moderne, on appelle ça une kumta le béret. Et harara, c'est pour en faire. Et en fait, le but il est simple, il est qu'on a quelqu'un qui ramasse du blé pour, plutôt que de le consommer, pour en faire un chapeau de paille, pour en faire un béret, une sorte de pain, une harara. Hein. C'est un pain qu'il faisait sur place, hein, de manière... apparemment, c'était l'usage, lorsqu'ils étaient au champ, de ramasser directement du blé, de le battre de manière très grossière, d'en faire une sorte de pâte, et qu'ils mettaient à cuire directement sur les braises. Il n'y avait pas des moyens du bord, et ça faisait une sorte de repas à manger.
Donc, tout ça, c'est pas des consommations assez conséquentes pour que tu sois imposable de shichecha si tu ramassais pour en faire un tel usage. D'accord? C'est le même principe de nouveau. C'est parce que tu n'as pas pris maintenant pour aller faire le vrai battage du blé avant de le faire entrer, avant de le granger. Deuxième nuance de la Mishnah, par contre, « Mais amer la gadish, yash lo shichecha, mimeno la goren, en lo shichecha. » Là, on va parler maintenant de l'autre cas, c'est que cette fois-ci, on va parler d'une personne qui, au gadish, là où il va entasser le blé, là-bas, il va le battre. Donc celui qui va être mehamer, qui va ramasser tous les petits omarim pour les amener au gadish, au grand A, où là-bas il va battre le blé. Donc depuis le premier imour, depuis la première fois où il va les ramasser, il est déjà imposable de PA, parce que cette fois-ci, c'est la dernière étape avant de l'amener pour le battre. Et de ce fait, une fois que tu l'as battu, alors de là-bas jusqu'au goren, mimenu, vela goren, en lo shirra. Par contre, si, même mieux que ça, si tu l'as amené pour le battre là où tu as fait le gadish, donc tu as déjà été imposable de shirra. Après tu te dis non, finalement, l'endroit il n'est pas assez favorable, il n'y a pas assez de vent ici. Ouais, c'est important d'avoir un bon vent pour vanner le blé. Donc du coup tu décides finalement, une fois que tu l'as porté ici dans ton gadish, de le prendre pour l'amener au goren. Là cette fois-ci, puisque tu as déjà été imposable de shirra la première fois où tu l'as amené pour le gadish, du gadish jusqu'au goren, il n'y aura plus de shirra. D'accord? C'est simple. On continue. C'est la clale, telle est la généralité. Kol ha-me'amer le-makom shehu gmar melacha, tout celui qui va ramasser son blé pour l'amener ensuite là où ça va être le gmar melacha, la dernière étape de battre le blé avant de l'engranger, yesh lo shichecha, il sera imposable de shichecha sur le moment là où tu vas ramasser ton blé. Par contre, mimenu vela goren, en lo shichecha, une fois que tu auras battu ton blé pour ensuite l'amener, ou bien pour l'amener dans l'engranger, ou bien même tout simplement tu as décidé ensuite de changer de programme, de le prendre de là-bas, de ce gadish jusqu'au goren, alors il y aura plus de shichra parce que tu as été imposable de shichra une fois. Les makom sheno gmar melacha, et par contre, si tu le rassembles ton blé pour l'amener dans un endroit où ça ne va pas encore être le gmar melacha, parce que tu comptes le prendre pour l'amener ailleurs de nouveau, donc de nouveau, en no shichra sur cette fois-là. Par contre, mimenu vela goren, lorsque tu le prendras de l'étape intermédiaire pour l'amener ensuite avant le goren, ou là-bas tu prévois d'aller le battre ton blé avant de le faire entrer, dans ce cas-là, yashlo shichra. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.